Je me demande si je suis au parc, je suis sûr que j'ai des bonbons à manger au parc. J'espère que mes bonbons auront de la glace et des bonbons si je peux les manger. Oh génial! Voici un préfixe troublemaqué nommé « mal ». Je pense que tu pourrais essayer de me harceler, hein? Tu ferais mieux de ne pas. Alors, qu'est-ce que tu veux pour moi cette fois? Ugh. Ashley Perez, I can't understand why you're speaking in French. Could you speak in English for me, please? Non! Je suis désolée, mal. Mais je ne peux pas parler anglais parce que je parle toujours en français et je suis toujours une fille française. Maintenant, sortez d'ici et laissez-moi tranquille. Please speak English. I still cannot understand what you're saying in French. Désolé. Mais je ne peux toujours pas parler anglais parce que je suis toujours une fille française. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi tranquille et ne me dérange pas. Ugh. Seriously. Can't you speak English at once? I can't understand. Now, please speak English right now. J'ai dit non. Je ne parle pas anglais à la fois. Aussi, allez-vous essayer de me forcer à parler anglais par vous? Tu ferais mieux de ne pas. Maintenant, s'il vous plaît, sortez de ma vue maintenant. I said speak English right now for once. I still cannot understand your language. Now, speak English right now, and that's final. Qu'est-ce que je viens de dire plus tôt, mal? J'ai déjà dit non. Premièrement, je ne parle toujours pas anglais. Deuxièmement, je parle toujours français parce que je suis toujours une fille française. Troisièmement, vous feriez mieux de ne pas me forcer à parler anglais tout de suite, sinon j'appellerai vos parents à fixe, comme nom et anti à ce sujet. Et enfin, que diriez-vous de vous taire et de me laisser tranquille pour une fois? Et, je, ne, parlerai, pas, anglais, et, c'est, capital, final, maintenant, sortez, de, ma, vue, fermez, le, diable, et, laissez, moi, seul, d'accord, maintenant. Oh really? That's it. I'm going to speak in German to force you to speak English and see how you like it or not. Mal, tu ferais mieux de ne pas me parler allemand? Sprich Englisch, 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 rechts, 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 verdammte, 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 sofort, 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 oder ich gebe dir ein dickes Fingerknöchel-Sandwich und das ist das verdammte Finale. Du verdammter verräterischer Warning, this video contains loud. Non-headphone users, turn down your volume to less than 15%. Headphone users, take off your headphones. Why? Because the next scene is really loud. You have been warned a large time. Starting in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Qu'est-ce qui dans leur tête s'est libé de leur nous de dire votre putain de problème en ce moment? Comment osez-vous me parler en moi de manière offensivement en me forçant à parler anglais? Vous savez, forcer les non-anglophones à parler anglais ne fonctionnera pas du tout. Vous savez quoi, putain de merde? C'est tout. J'appelle les parents à fixe, à Eleanor Yanti à propos de cette situation flippante. Rentre chez toi et sors de ma putain de vue tout de suite, ou stupide traître d'horreur. Uh-oh. I have to get out of here and Nan and Auntie are going to kill me. Oh. My. God. Now, how freaking dare you speak German to Ashley Perez Rubin by forcing her to speak English and say the N-word to her. You're forcing non-English people is not going to cut, but it's very disrespectful and seriously offensive to regional people for calling regional the N-word. Also, do you know what the N-word means? Don't answer that. It means a form of disrespect to German people. For this result, we have the courtesy to ground you until your name from releases the full version of your man from all time. Now get in the room right now and don't ever escape to your room until we say so. Wah-w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 ah-